J'ai un message particulier à t'apporter pour toi ce matin. C'est une personne qui a été en couple avec toi, qui ne l'est peut-être plus au jour d'aujourd'hui. Mais regarde, la première carte qu'on m'annonce, on te parle de refoulement. C'est une personne qui a essayé de repousser, mais tellement fort, l'amour que tu lui envoyais, mais aussi l'amour qu'il avait pour toi. Il a clairement ou elle a clairement pas accepté tout ce qu'elle pouvait ressentir pour toi. Il y a quelque chose pour toi là ce matin. Tu prends ou tu laisses, peu importe. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai ce message à te délivrer. D'accord? Qu'est-ce qu'il a, elle ou elle a à te dire? Il y a eu beaucoup de reproches. Tu lui as fait même beaucoup de reproches parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de colère. Parce qu'aussi, cette personne a parfois eu des secrets pour toi. Elle t'a pas tout dit. Elle a joué la carte des non-dits, la carte aussi des mensonges. Et clairement, toi, ça t'a fait souffrir physiquement. Mais sache une chose, que cette personne aussi, elle a souffert physiquement. Le fait de vouloir t'éloigner d'elle, malgré les sentiments qu'elle avait pour toi, ont été en fait pour lui ou pour elle un vrai cauchemar. Ça, il faut vraiment que tu en aies conscience. On n'est pas forcément toujours responsable de ce qu'on fait, même si par colère, tu peux penser le contraire aujourd'hui. Mais c'est une personne qui a eu vraiment très, très peur des sentiments qui vous liaient et des sentiments qui vous lient. Et elle a dû aussi accepter de se libérer. Parce que si elle avait peur de cet amour, c'est certainement parce qu'elle avait, elle aussi, un passé compliqué. Elle a quand même envie de te retrouver. Elle a envie de retrouvailles avec toi. Mais ça, elle sait que tu es en colère aujourd'hui et elle ne sait pas si ces retrouvailles seront possibles un jour. Si en fait, ce matin, elle voulait te passer le message, c'était simplement pour te dire que oui, j'ai refoulé les sentiments que j'avais pour toi. Et aujourd'hui, j'en ai des profonds regrets. Je sais que l'heure n'est peut-être pas aux retrouvailles, mais sache que tu vibres toujours en moi. Et clairement, on parle bien de toi. Tu vibres toujours en moi et j'ai très envie de revenir vers toi. Je vais le faire de toute façon, que tu sois d'accord ou pas. Mais je veux que tu saches que bientôt, on peut avoir accès à notre bonheur l'un avec l'autre. Parce que quoi qu'on puisse dire, je sais que je t'aime, je sais que tu m'aimes. Mais j'ai eu très peur de cet amour inconditionnel que tu m'as apporté, que jamais personne n'a pu me donner. J'espère juste que quand je reviendrai vers toi, tu pourras au moins m'accorder ton pardon. Parce que sache une chose, sache que tu me manques infiniment.